Bonjour tout le monde, ouais, excusez-moi, c'est Gwendal. On se retrouve pour un nouvel épisode, enfin nouvel épisode, un nouvel épisode de la vidéo d'un modeur. Donc tout simplement vidéo d'un modeur aujourd'hui pour parler donc des vacances. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces vacances-là et voilà ce que j'en tire. Donc pendant les vacances, il y a eu pas mal de choses, notamment la sortie de donc de, tout dernièrement la sortie de ma map, la map hongroise. Voilà, aussi on a eu le record du monde, voilà, qu'on a établi. Donc bah voilà, à vous de le relever maintenant, à vous de le relever, le record du monde. Donc il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre, je sais plus, je sais vraiment plus. Qu'est-ce que j'ai fait au mois de juillet? Pas grand chose. Bah non, j'ai pas fait grand chose au mois de juillet. Voilà, en tout cas dernièrement il y a eu ça. Il y a eu voilà le dernier épisode de l'employé cantonal. Voilà, je tenais à en parler vite fait parce que je sais qu'il y en a qui vont pas regarder cette vidéo là, mais bon, je tenais quand même à en parler. Il y a du coup l'employé cantonal, la série employé cantonal, voilà, s'arrête. Donc s'arrête net, c'est bon, il y en a plus. Il y aura autre chose, parce que du coup maintenant voilà j'ai été élu maire, et donc du coup bah faut qu'il y ait autre chose après, hein, une suite. Donc bah on va vous allez voir ce que je vais faire, même si ça va être peut-être, bon, je vous dis rien, je vous dis rien. En tout cas je suis routier, ce qui annonce officiellement que je ferai des vidéos sur Euro Truck indirectement, parce que du coup bah voilà, vu que je jouerai sur Euro Truck, malgré que je sais plus trop comment qu'on joue, mais bon, c'est pas très grave. Pour toutes les questions, non, je n'ai pas de volant, j'ai juste une manette. Donc c'est une manette PC qui s'appelle O Big Ben. Voilà. Juste, si on me pose la question, j'y réponds. Aussi, on m'a posé la question, est-ce que tu feras une FAQ? Peut-être pas, je sais pas trop. On verra si je fais une FAQ. Voilà, on verra si je fais une FAQ. Il y a eu aussi l'histoire que quand même que j'ai eu les 1K, les 1000 abonnés. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, autour de la vidéo, il y a à peu près 1100 abonnés. Donc, ça fait vraiment plaisir. Plaisir à vous, plaisir à entendre. Ça, voilà, ça fait vraiment plaisir. On va reprendre l'école de plus belle. Ce qui fait que du coup, il y aura forcément moins de vidéos. Ça c'est obligé, hein. Mais bon, je vais quand même essayer voilà, de pallier à ce manque voilà, en essayant de faire autre chose. Du coup, voilà. Il y a eu ça, il y a eu vraiment plein de trucs pendant ces vacances. Voilà. L'employé cantonal, c'est quoi aussi? Voilà, c'est quoi? C'est une série que j'ai fait sur un coup de tête. Oh là, là, je vous ai pris le mur. Parce que oui, je ai enregistré la partie hier soir et je tourne voilà, la partie voix ce matin. Donc, je disais l'employé cantonal, oui. L'employé cantonal. L'employé cantonal. Attendez 2 secondes, faut que je retrouve ce que je voulais dire. Voilà, l'employé cantonal, c'est une série voilà que j'ai fait sur un coup de tête. Voilà, que j'ai dit, ah tiens, je ferai les vidéos d'un modeur. Au début, ça devait être une série RP, du coup qui n'a jamais été RP du tout, hein, mais c'est pas grave. Donc du coup, je dis putain, une série RP quoi. Et donc j'ai vu une vidéo d'FS13, je crois. Donc à sa sortie. Un mec qui faisait employé cantonal. Putain, je dis ouais, c'est pas mal ça. C'était pas un français. Et il avait des putains de mods employé cantonal, puisque ouais, c'était un gros youtubeur dans notre pays. Alors me demandez plus lequel parce que je ne sais strictement plus. Mais en tout cas voilà, un gros youtubeur. Et donc du coup qui a fait voilà, une série là-dessus. Et je dis putain, c'est pas mal. Et bon, je dis pourquoi pas faire ça sur FS15. Alors après on m'a dit oui, mais il y a déjà je sais plus comment il s'appelle, un mec qui fait ça déjà. Je n'en savais strictement rien, hein. J'ai démarré la série, puis c'est après qu'on m'a dit ouais machin, il y a quelqu'un qui fait ça avant toi. Putain, je dis merde. Merde, je me suis fait piquer mon idée. Parce qu'il le faisait avant toi. Donc je me suis pas fait piquer mon idée, c'est moi qui aurais été censé lui piquer. Mais je ne savais pas du tout qu'il en faisait. Donc forcément, it is very compliqué. Donc voilà, c'est forcément. Voilà. Donc pour tous les gens qui disent ouais, t'as copié. Alors je sais plus du tout quel youtubeur, hein, mais un mec. Voilà, un mec. Du coup,
Je l'ai pas copié, voilà, je l'ai pas copié, c'est voilà, c'est tout simplement moi qui a de mes propres mains a décidé voilà qu'il faut que je fasse une série dessus. Donc du coup le truc c'est que tous les commentaires que j'ai reçus, bah voilà, bah, je leur réponds. Il y avait quoi d'autre aussi? Bon, il y a eu pas mal de choses, je vais pas tout dire parce que sinon ça serait trop long. Il y a aussi la sortie de vidéo CSGO versus Snoop Dogg que vous avez sans doute vu, hein. N'hésitez pas à aller la voir, même si vous jouez pas du tout à CSGO, allez la voir quand même parce que ça fait, voilà, c'est vraiment what the fuck. Et même le simulateur Auvergnat m'a dit what, mon gars, c'est méga bien ton truc. Voilà. Donc voilà, donc c'est voilà, juste ça, voilà, je tenais juste à le placer dans ma. Voilà, je tenais juste à le placer. Du coup, bah voilà. Je ferai aussi une vidéo et je l'annonce ce que j'attends de FS17. Voilà, je l'annonce, voilà. Mais elle sortira de toute façon normalement pas très longtemps après celle-là. Ce que j'attends de FS17, il y a déjà des trucs qui sont sortis, notamment. Je sais plus quoi, mais Seb me l'a dit. Je crois que c'est une traite des vaches. Je crois qu'on genre on va pouvoir traiter les vaches. Enfin traiter. Traire plutôt. Les vaches. Voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus. Parce que voilà, j'avais fait sur FS13, j'avais. Sur FS13, j'avais. Sur FS. Ouais, sur FS13. Enfin, sur FS13. À l'époque, l'année dernière. J'ai vraiment insisté sur le fait de FS15, donc sur toutes les nouveautés qui sortaient, les véhicules qui dévoilaient jour après jour, ouais, je faisais directement une vidéo dessus. Voilà, donc je ferai la même chose pour FS15. Voilà. Aussi, autrement, à propos, je vais en parler dans cette vidéo-là, à propos du DLC, Platinum et du volant. Alors le volant. Il est à 200 euros, il est pas cher du tout. Le problème, voilà, le problème c'est que moi j'attends qu'il sorte. Je vais pas l'acheter direct, hein. J'attends qu'il sorte. J'attends de voir ce qu'il y a dessus. Et ensuite on verra si je l'achète. Parce que s'il est compatible que farming, il n'est pas compatible Euro Truck, il n'est pas compatible CSGO, ce qui m'étonnerait quand même, mais voilà. Bon là c'est même pas la peine d'y penser. Sinon j'y réfléchirai peut-être à deux fois. Bon on va voir ça. Faut que je vois ça. Sinon le DLC en lui-même, la version boîte, ça dépend à quel prix. Ça dépend à quel prix. J'ai pas envie d'acheter un truc trop cher. Voilà. S'il y a une version crack, je vous le dis tout de suite, s'il y a une version crack qui sort avant. Une version crack jouable en multi, tout bien. Ou même encore mieux s'il y a un pack de mods qui sort à l'effigie, donc comme le truc Ursus sort, voilà, à un moment je veux bien, mais faut pas abuser non plus, hein. La map un peu russe qu'il y a sur la version, voilà, je la trouve pas mal, mais des gens suisses qui font d'un truc dans un autre pays, je ne peux pas comprendre. Bon, peu importe. En tout cas, voilà. Donc, quand je dis en tout cas, c'est généralement que la vidéo arrive à peu près à la fin. En tout cas, voilà. Beaucoup de choses s'est passé pendant les vacances. On rattaque l'école. Ça fait plaisir. Non, je déconne, ça fait pas du tout plaisir. Hein, mais bon, on n'a pas le choix. On rattaque l'école. C'est show the night. C'est vraiment show the night. En tout cas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo et continuez à me suivre. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment tout plaisir. Vous êtes 1100 actuellement sur ma chaîne à me suivre. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je sais pas comment vous remercier, hein. Alors certains vont dire oui, t'as qu'à faire un giveaway. Bon, pourquoi? Voilà, je baille 2 secondes, on me laisse bailler tranquillement. Voilà, pour moi, bon, vous savez très bien ce que j'en pense des giveaways. On n'achète pas des abonnés. En tout cas, tiens, non, je vais juste parler d'un truc que j'ai cru entendre. C'est que les vidéos allaient devenir payantes sur
sur YouTube. Je n'y crois pas en seul instant. Les vidéos deviennent payantes sur YouTube. C'est la fin de YouTube. Voilà. Les gens vont décaler sur ce qu'on appelle Dailymotion. Certes, certains vont dire que c'est beaucoup plus pourri. Dailymotion, c'est peut-être plus pourri. Mais en attendant, voilà, ils se démerdent peut-être pas plus trop mal qu'un autre. Un truc comme ça. Donc, du coup, bah voilà. Je préfère vous le dire. Si un jour vous voyez que les vidéos deviennent payantes sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Elles seront gratuites sur Dailymotion et je décale direct sur Dell. Voilà, sur Day. En attendant, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, likez les vidéos et continuez à me suivre. En attendant, portez-vous bien. Et à plus, tout le monde.